Allez, bon, on s'est arrêté à là. Pour ceux qui n'ont pas vu, les gars, l'épisode, vous pouvez aller voir l'épisode précédent. Pour ceux qui viennent de le voir, encore une fois, attendez, ma sensi a changé. On sera pas coupé au montage, les gars, mais bon, au calme. J'ai mis 15. En vrai, la sensi, je sais pas pourquoi il la change à chaque fois. Mettre 15 et 15. Voilà. Est-ce qu'on l'avait fait ça? Ah non, c'est ça qu'il fallait qu'on regarde. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah non, on l'a déjà fait. Ah non, on l'avait déjà fait, attendez. Et vous pensez on peut monter ou pas? Attendez. Vous pensez on peut monter? Genre je peux réussir à glitch? Ah oui. Ah bah je pense que c'est comme ça qu'il faut faire en plus. Que, ça se trouve il y a des easter eggs ici, attendez je regarde. Regarde s'il n'y a pas des trucs cachés. Parce que je pense que il y a un monde où quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Parce que ça se trouve, regardez, attends. Il y a un monde où il y a quelque chose là, non? Ah non, ok. Attendez, parce qu'on va regarder, on est arrivé d'où la dernière fois? On est arrivé de là. Et, ah oui, on est arrivé dans la salle là. Oui, c'est vrai qu'on était allé la voir la base sur Mars et tout. Je me rappelle les gars, je me rappelle. Petit à petit. Ok. Oui, c'était la base du fameux daron, soi-disant. Ok. Alors, donc ici, il n'y a rien, normalement. Ça se trouve, il y a quelque chose, mais je sais pas comment y aller. Vous pensez que je peux glitch comme ça, genre? Je sais pas. En fait, je me dis, ça se trouve, il y a vraiment quelque chose, genre un truc à prendre. Ah, what? Attendez, quoi? Attendez. Ok, bon, non. Mais bon, en tout cas, on sait qu'il faut monter, je pense. Merde, non, c'est vrai que c'est là. Oh, le con. Ok, bon, ça c'est là. Voilà. Là, ici, on a vu qu'il y avait rien. Je pense qu'il y a un monde où on peut aller en face. On va regarder. Là, il y a rien, ok. Ouais, bon, en face, on peut y aller, ok. Là, il y a rien, il y a rien. Ah! Tout ce qu'il reste, ce sont beaucoup de mauvaises herbes indisciplinées. Cet endroit sauvage et non entretenu depuis un certain temps n'a plus rien d'intéressant à offrir aux colons apparemment. Ok. Ok. Donc non entretenu, donc ça fait longtemps qu'ils sont partis, ça veut dire? Putain, vous allez me dire, ça se trouve, ils ont trouvé une nouvelle planète, les gars. Attendez, c'était tout? Bon. Bah non, et pourquoi on était venu là? Putain, les gars, attendez, je me souviens plus. Pourquoi on était venu là alors? C'est ça que je comprends pas. Attends, est-ce que je peux aller là? Bah attends, il y a un truc que je comprends pas là. Genre on était venu là juste pour ça? Ok. Hein? Je l'ai déjà entendu prononcer ces mots. Ah, on est dans la... Ah, on est dans la baraque, les gars. Ah oui, parce qu'ici... Tu agis sous le coup de la peur et de la douleur. Tu sais.
sais absolument pas de quoi tu parles. On sait tous les deux que t'as choisi de vivre sur la Lune pour une raison inconcevable. Au lieu de mettre à contribution ton talent et tes efforts sur Terre. Je m'en fous de la Terre. Tout ce qui compte, c'est elle. Et moi alors, papa? Non, c'est sa fille. Ok, elle, la fille, elle avait la garde. Ok, waouh. Claire. Claire. Tu sais que je t'aime, hein. Peut-être elle a un talent, elle. Mais la mère, elle est devenue quoi, là? Ça va, chef, bien sûr. Toi. Je dois y aller, Cathy. On se voit une prochaine fois. Promis. J'aime vraiment savoir ce qui s'est passé avec sa mère. Et je pense que ça, le fait que la maison soit pétée, c'est un peu l'allégorie. Enfin, la métaphore pour dire que sa mère est morte, tu vois. Peut détruire leur famille. Putain, le gars est un poète un peu. Quoi, c'est tout? Ok. Wesh. Ok, là on ressort dehors. Et là on est censé faire quoi? Je suis là. Il y a dû y avoir des interférences. J'ai pas reçu vos appels. J'ai trouvé la signature. Attends, on peut entrer sans nous? Il y a personne ici. Juste des mauvaises herbes et des plantes quasi mortes. Qu'est-ce que c'était alors? On a bien aperçu l'oxygène se consommer au coucher du soleil, non? La végétation consomme de l'oxygène pendant la nuit au lieu d'en produire. Donc, je dirais que c'est bien ce qu'on a vu. Oh merde. Oh les cons. Attends-moi. Ok. Oh là, le trauma. Deliver Us Mars, un jeu gratuit que je joue sur Epic. Ok les gars, ok. Ayla, tout va bien. Ne t'inquiète pas. Je crois que je suis tombé dans leur réseau de forage. Il doit y avoir un moyen de sortir. Y'a rien ici, y'a aucun historique. Ok. Leur réseau de forage. Ok, on est retour dans l'eau. Oh putain, oh ça fait flipper sa mère là. Wesh, pourquoi ça va vite comme ça? Pourquoi ça va vite, frère? Oh ça fait vraiment flipper par contre. Même si t'as de l'oxygène, frère. Normalement c'est la fin. Ouais. L'eau est glacée. Ah ouais, par contre qu'elle nous tape pas une hypothermie, hein. Elle a vu ma mère, elle va se taper une hypothermie, on va être baisé. Oh les gars, dans le noir c'est vraiment chaud par contre. Désolé le stream. Oh ça va, vous voyez bien en vrai. Oh vous sur le stream c'est moins noir que moi, hein, je vous le dis. Hein. C'est beaucoup plus clair vous. Je vois le retour, moi je vois beaucoup moins. Hein. Attends, mais y'a rien là, parce qu'on peut monter là, mais... Allez, Sarah, j'ai besoin d'aide au quartier résidentiel. Fais vite, j'ai peut-être vu des autres voitures. T'es sûr? Quoi? C'est pas ça qui m'inquiète. Oh non, ils sont morts. Ah, ils sont morts 100%. Compris.
Non, le con, j'ai fait de la merde. Non, je sais pas, je veux pas te mentir, frérot. Ouais. Non, je vais pas te mentir, j'organise un truc, mais là. Attends, quoi? Il se passe quoi là? Non, 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 bâtard, eh oh oh oh. Attends, mais dis pas qu'il faut refaire cette strat quand même, attends. Genre, je peux pas monter plus là? Attendez, vous voyez, on est d'accord, il y a un truc. Attendez. Ah oui, voilà, ok. Ok, ah oui, là. Ok. Tac, 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 tac. Ouh, on a failli se faire baiser, là. Tac. Ok. Je pense qu'ils sont morts. Je vous le dis, je pense qu'il en a vu, mais mort. C'est pour ça qu'il est inquiet et tout. Il va se passer une couille avec le revoir, non? On va rentrer comme ça, chill. Oh, mes yeux. Wesh, wesh, il m'a mis flash, frère. Ok, de retour à l'arche, la vita. Oh, putain, mais c'est trop rapide, frère. J'ai un trop gros SSD, les gars. Ok. Je suis de retour à l'intérieur. Où est-ce que je vais? Bien reçu. Comment ça, dès que je suis prête, ça veut dire qu'il y a des trucs ici? Je trouve qu'il y a des trucs à trouver, les gars. Ah, je regarde. Non, mais en fait, non. Vas-y, let's go. Oh, il va se passer une couille. Non? Attends, en vrai, il y avait vraiment aucune sécurité hein, pour ça. Hein. Bon, après, faut pas être con non plus, mais. Oula, je suis de FPS, pardon. On s'arrête là? Ok. Salut! Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? On arrive peut-être trop tard. Peut-être mort? Pas. Ouais, t'as vu, je l'avais dit. On sait pas ce qu'il y a derrière cette porte. Ouais. Oh, il va falloir faire un point. Sarah, tout va bien? Je sais pas. Oui! D'autres corps. Hein? MacArthur a demandé leur création quand il était encore sur la Lune. Il prétendait qu'il servirait à gouverner. Peut-être qu'il les a utilisés pour prendre le contrôle de la base et s'assurer que personne ne s'opposerait à la coupure générale. Oh bâtard. Pourquoi je peux pas interagir? Hein? Attendez, quoi? Si jamais tu trouves... Désolé, je voulais pas... T'as trouvé quelque chose? Ces protocoles sont endommagés. On dirait qu'il a été forcé à l'arrêt, tout comme les autres. Il y a encore du code ici. Quelque chose a été altéré avant l'arrêt d'urgence. Ah oui, voilà, ok. Ok. Toi? Regarde ça. Outwardien près de la porte. Ils doivent sûrement garder le pont. Les ASE de sécurité et ceux de MacArthur, c'est après eux qu'ils en ont, pas après Homeward. Donc... Ils attaquaient à Outward et pas Homeward.
Pourquoi Sarah en veut aux AIC de sécurité? L'un d'eux l'a frappé sur la lune. C'est ça qui l'a coincé là-bas. Pendant la coupure, elle est allée enquêter sur les causes et... l'un d'eux l'a assommé. Ça a mené à l'histoire avec ton père. Tu connais la suite? Ouais. Certains ont quelque chose dans la main, Ayla. Ils ont voulu barricader l'entrée, tu crois? Pourquoi bloquer leur issue de secours? Sauf... s'ils ne cherchaient pas à s'enfuir. Putain, le truc de fou, frère. Le truc de fou, ça se la mettait. C'est moi ou... cette porte vient de s'ouvrir toute seule? Non, 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 on va se faire prendre en otage. Non, 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 non. C'était quoi? Peur. Je connais ce bruit. Ça vient de là-bas. Ah, c'est un drone. Je suis sûr que c'est un drone. Si elle connaît le bruit, ça pue le drone. Wow, ce café m'a retourné le ventre, je suis en train de l'évacuer en ce moment même. Boum. Sympa, merci du commentaire. Alors lui, c'est vraiment un beauf. Hein. Tu sais qu'ils font... ce qu'ils font dans le chat, tu veux vraiment qu'on ait cette conversation maintenant pendant que tu es aux toilettes? Oui, tout à fait. Non, je sais pas, loin du cul, loin du cœur, comme on dit. C'est pour ça... oh, putain, c'est des beaufs. Hein. C'est pour ça que t'as un vieux travail de bureau et que moi, je fais des trucs cool. Moi, je réfléchis à des trucs pendant que t'es en train de chier. Et écoute ça, il déshydrate les excréments sur Vita et il les envoie ensuite sur Odum pour les composter. C'est fou, le cycle de la vie, on finit par remanger ses propres déchets à la fin. C'est cool, non? Je m'en fiche comme de l'an 40. Maintenant, est-ce que tu pourrais m'envoyer des stats d'alliage hebdomadaires pour que je puisse faire mon vieux travail de bureau? Ah ouais. Ça, je le prends en note. La meuf est dans son travail, hein. Ouais, je vous avais dit, c'est un robot. Wesh, pardon! Et un! Mais pourquoi il y a autant de corps? Il cherche son père, elle cherche son père. Ah. Bon, ils ont été gentils sur les graphismes. Comment ça a pu arriver? Hémorragie pétéchiale. Cyanose. Ils se sont asphyxiés. Ah, ils se sont asphyxiés. Ah non, ok, ok. Ouais. Homeward et Outward. On doit partir. C'est trop dangereux. Trop dangereux? Sarah, il n'y a plus personne. On n'en sait rien. Regarde ce qu'ils se sont infligés. Sarah, calme-toi. Non. S'il y a des survivants, on n'a rien pour nous défendre, ok? Il faut qu'on parte. Oh, elle veut quoi, la petite couille, là? Ah, il la détecte, les hologrammes? Oui. C'est pas le cas d'Alex? Ça fait des années que j'essaie de décoder la clé chiffrée du Conseil Lunaire. Combien tu en as trouvé? Quelques-uns. Montre. Quoi? Montre. Oh, c'est une connasse, elle. Oh, c'est peut-être elle la connasse depuis le début. Elle a une mère, je viens de le montrer. Ah. Ah. Bah je crois... ouais, alors...
Alors qu'est-ce que ça va être cette fois? Si vous pensez que Mars sera un jour habitable, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Vous avez détruit Odum. Si on n'est plus en sécurité, c'est à cause de vous. On doit rentrer chez nous, sur Terre. Il faut partir d'ici. La Terre est une cause perdue. Vous ne comprenez pas. Je ne mourrai pas avant d'avoir revu ma famille. Allons, allons, s'il vous plaît. MacArthur, ce connard. Là. Assez. Qu'est-ce qu'il va faire, MacArthur, encore? Vous battre comme des animaux apeurés. Vous valez pourtant mieux que ça. Ici, ce n'est pas toujours facile. Mais c'est le prix à payer pour qu'Outward devienne une réussite. Et tous, nous le savions à l'avance. Vous autres, qui voulez rentrer avec les Arches, qu'est-ce que la Terre fera d'elle, à votre avis? Qui seront les premiers à recevoir de l'aide? Vous? Vous tous, sans exception, serez jugés pour vos crimes au moment où vos pieds fouleront le sol. Et les nations qui n'ont pas leur mot à dire, qui n'ont pas le contrôle, que feront-elles, à votre avis? Elles se battront, elles tueront, elles détruiront tout, comme des bêtes sans cervelle ni raison. Elles anéantiront les Arches et s'entretueront. Depuis plus de 30 ans, nous savons que la Terre a atteint le point de non-retour. Et d'ici 30 ans de plus, sa surface sera presque identique à celle de Mars. Repousser les frontières de l'humanité exige des sacrifices. Mais c'est le prix à payer pour bâtir un avenir meilleur. Nous pouvons encore avancer, main dans la main pour réussir. Il suffit de... Ça suffit, William! On en a assez de tes discours. On en a assez d'être ignoré. T'as bien bon sens. Sur l'unité, tu insultes à ceux que tu as enfermés dans l'infirmerie. Des gens désespérés, prêts à tout pour s'en sortir. Ta passivité et ton ignorance les ont poussés à bout. Notre famille et nos amis sur Terre nous manquent. Si notre technologie et notre savoir peuvent la sauver, on se doit d'essayer. Tu nous as obligés à embarquer, à vivre et à travailler dans ces Arches de cauchemar. Et maintenant, tu veux nous contrôler? Ça n'arrivera pas, William. Maintenant, tu vas nous écouter. Vas-y, Julia. Oh merde, c'est Julia qui a... Ah, c'est quelqu'un de Homeward qui a pété son crâne. Rosa, qu'as-tu fait? Après lui! Rosa, à tous les Homewardiens! Attrapez MacArthur et allez au pont! Qu'est-ce qu'elle a fait? Oh putain! Putain, et de base, on l'a trouvé toute cool et elle a pété un câble. C'était Homeward. Ils ont utilisé des ASE pour atteindre le pont. Oh l'enfoiré. J'arrive pas à croire que MacArthur ait laissé sa virée à la guerre civile. MacArthur? Oui, MacArthur. Les ASE, l'attaque d'Odum. Rosa est tout aussi coupable, tu crois pas? Rosa? Bah, oui. Ces gens n'avaient pas le choix. C'est vrai aussi. C'est MacArthur qui les y a poussés. Ça veut pas dire que la fin justifie. Mais bon, elle aurait pas dû faire ça. C'est vrai aussi. Contre l'oppresseur, abuse non plus. Comme MacArthur. Ouais, voilà. Non. Ah, elle fait une crise? Attendez les gars, 2 secondes. Je suis désolé, vous avez un black screen. Et on peut pas revenir là? On devrait y aller, tant qu'on peut encore. Ok, elle va aller chercher parce qu'elle sait que l'autre elle veut absolument tout savoir. Elle a raison. Est-ce qu'on peut aller là? Non, c'est rouge, y a pas l'air. Ok. Je sais pas s'il faut monter. Ok. Est-ce qu'on peut monter? Là, ici. Alors, bon, ça c'est un peu honteux par contre qu'on puisse pas.
Ouais, normalement on est censé pouvoir escalader, mais bon, calme. Oh, j'ai cru que j'avais bugué, j'avais la flemme. Ok, ok, y a rien ici pour nous. Ok. Hein? Az. Oh mon Dieu, Az. Il est arrivé avec papa. Il nous mène quelque part. Attends, bah deux secondes. Ayla, tu crois que... Y'a aucun truc à prendre là? Bah attends, on peut grimper. Attends, attends, y'a trop d'endroits là. Ah, attendez les gars, attendez, y'a tellement d'endroits à visiter par contre. Ah mais on l'avait déjà fait ça, non? Attendez. Ah. Bon les gars, on va monter, on va monter. J'ai vraiment, vraiment hâte de quitter Habitas. Oui, je sais, bien sûr. Certains ont leur propre chambre pendant qu'on est coincé à dormir ici comme des sardines. Les pieds de Anjun puent tellement, je peux pas dormir dans ces conditions, moi. En même temps, pourquoi vous dormez comme ça au lieu de dormir la tête du même côté du lit? Tiens-toi bien, parce qu'elle veut un peu d'intimité. Au lieu de produire ces petites pilules pour nous faire oublier qu'on n'aura jamais de logement, il pourrait au moins songer à fabriquer du déo. Encore entendre ces homoardiens. Ouais, peut-être. Oh, ah oui, c'était vraiment une guerre civile. Je devrais noter ça. Attendez. Si je fais ça, attendez. Je vais prendre ça. Est-ce que je peux le sortir ou pas? Ah non, ok. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose pour ouvrir la porte? Ah ouais. Ok, oh attendez les gars, c'est hyper compliqué là par contre. Attendez, il y a tellement de trucs en vrai. Et là, je vous le dis, je reviendrai là, je pense. Non, bah ça on l'a déjà vu. Les gars, parce qu'attendez, il y a tout le tour à faire en haut et en bas. Oh putain, ça va être long. Là, il y a rien. Là, il y a rien, il y a rien, il y a rien, il y a rien. Est-ce qu'il y a quelque... Hein? Ah c'est ça, soirée ciné. Ok. Ok, donc c'est en bas qu'il faut. Hein? Quoi? Ah. Ok. Je vais prendre ça en note. Ok, donc ça serait bien de réussir à ouvrir ça. Après déjà on va descendre. Bah en fait les gars, on va descendre d'abord pour voir ça a combien. Je crois que c'est 3 pour ouvrir la porte là. Et je pense... Non, non. Oh, je suis trop con. Ok. Ah, attends. Comment il est rentré? Ah le bâtard, il nous a baisé. Mais quoi? Hein? La liste d'attente pour obtenir un logement était insensée. Les gens étaient à des années-lumière d'avoir leur propre chez eux. Est-ce qu'ils ont tous dormi côte à côte ici pendant autant de temps? Je crois que c'était autant de temps. Hein? Ouais, il fait du bruit. Et ce que je comprends, c'est comment on est censé rentrer là. Tout ça, mais ça, on peut pas le modifier, par contre, c'est insupportable. Ah si, comme ça. Attendez, quoi? Ah, non, non. Non, ça, il peut pas modifier ça.
que c'était ici. Forcez-le à l'autoriser. Rosa, arrête ça, je t'en prie. C'est aller trop loin. Ça, ce n'est que le début. Pirater les ASE, prendre d'assaut l'infirmerie pour libérer les prisonniers. Tu ne vois pas que c'est de la folie? C'est MacArthur qui a coupé l'accès à l'Arche Labo, Isaac, pas moi. Pourquoi tu es là, au juste? Pour négocier au nom de notre glorieux leader? Je suis venu en tant qu'ami. Je t'en prie, écoute la voix de la raison. J'en ai assez d'écouter, j'en ai assez de parler. Et les gens qui soutiennent Outward. Bon, après, elle, je comprends là. Ceux que les ASE de sécurité tiennent en joue en ce moment même. On s'en va aujourd'hui. Et les Arches viennent avec nous. Tu veux te rendre utile? Va au Panopticon et dis à MacArthur de réactiver la bosse. Sinon, ne t'en mêle pas. What the fuck? Ah ouais, c'était vraiment une guerre civile, sa mère. Ok, on a. Pourquoi elle se comporte comme ça? Ok, donc je suppose que ça va nous servir à quelque ensemble. Chose. Comment c'est possible? J'espère qu'ils vont bien. Le problème, c'est que ça, ça va là. Mais là, pour moi, on peut remonter. Parce que là, il y a une raison s'il y a ça, les gars. Ah, parce que c'est pas devant, les gars. On y retourne. Allez, je vous m'excuser, mais je sais qu'il y a une raison s'il y a ça. On n'a pas oublié, les gars, on n'a pas oublié. Ah, c'est au-dessus. Où? Genre, y'a rien? Ah, si! Oh, je suis sûr, ça faut le sortir. Bah, dans quoi? Il m'a dit pas que ça sert juste à ça quand même. Mais attends, mais y'a rien ici, genre. Tu mens. Attendez, en fait, ça m'intrigue. Pourquoi? Pourquoi il nous ferait faire ça s'il y a rien? Ça qui m'intrigue là. Il y a vraiment un truc qui m'a intrigué, les gars. Bizarre un peu cette ambiance. Genre c'était un prank, ça a pas l'air de leur ressembler les pranks en vrai. Bref. Ah merde, c'est de l'autre côté. Ah mais attendez, hein. Ah mais attendez, attendez. Attendez, en fait je suis sûr il y a un truc comme quoi il faudra qu'on le prenne, genre le truc d'en dessous faudra qu'on le prenne et bon, je suis sûr il y aura un truc comme ça. Vous allez voir, ça va être moins facile qu'on le pense. Si ça par contre c'est trop bien fait. Ah oui tu vois, ok c'est bien ça. Attendez, on est au mauvais endroit là. Mais je suis trop con, la vie de ma mère, je viens de refaire la même erreur. Gros débile que je suis. C'est là-bas. Ok, là ça marche pas. Là je suppose qu'il y aura un truc à faire. Non, il y a rien à faire ici. Attendez, quoi? Ok les gars, ok. Donc là toutes les portes sont ouvertes. Donc là en fait ce qui va être intéressant c'est que je pense que... Ok. Ça faut le prendre, faut que j'arrive à sortir ça en fait je pense. Parce que si on est là c'est pas pour rien s'il y a ça et ça.
pense que je dois réussir à ça. Parce que si je sors... Attendez. Si j'enlève ça... Ok, ça je peux pas l'enlever. Si j'enlève ça... Ok, et pourquoi la porte là ne s'ouvre pas? Ok, donc ce... Ok, okay bah, je suis con. Ok. Ok, bon, faut mettre juste ça là en face. Mais pourquoi au-dessus on peut le mettre et pas là? Moi, c'est ça qui m'intrigue. Ok, normalement ça en ouvre un là-bas. Je me trompe pas. Hein? Non, je crois pas. En plus, ça passe à travers, quoi? Attendez, c'est bizarre ça. Est-ce qu'il y a un autre endroit pour entrer ici? Ah non. Est-ce qu'on peut rentrer ici? Non. Pour moi, faut aller chercher l'autre truc. Ouais. Pour moi, faut aller chercher l'autre truc. Mais par contre, comment je fais? Là est la question. Parce que je peux pas le sortir en plus. Et c'est ça que je crois, c'est que je peux pas le sortir, l'autre truc. Le truc d'en haut, là. Ok, c'est bien, ça va être marrant, c'est marrant, c'est marrant. Vous aurez mon raisonnement avec moi, au moins. YouTube en tout cas. Non mais ça... Là on est déjà là nous. C'est quoi ici? Ici normalement c'est le truc pour... Pourquoi je suis ici? Vas-y viens là. Ici normalement c'est ça. Par contre regardez, ce qui m'intrigue c'est que même quand ça c'est... La porte elle s'ouvre pas, enfin je crois pas, attendez. Mais d'accord, la porte elle s'ouvrait pas les gars, j'ai pas rêvé. On peut retester, mais la porte pour moi elle s'ouvrait pas, même quand il y avait ça. Ah mais si, ok, ok, elle s'ouvrait, mais ok. Si, mais si je suis con, la porte elle s'ouvrait, mais on pouvait pas le sortir le truc. Ok, je vais retenter de le mettre là-bas. Parce que je vois, on peut pas en faire deux. Parce que je sais qu'ici... Ok, attendez. Pour moi, faut déplacer celui-là, le truc-là, là, faut le déplacer. Alors, comment je le déplace? Parce que c'est combien? Ça coûte, ça coûte 4. Et, ok, celui-là, on peut pas. Ok. Ok. Attendez, je vais regarder en haut ce que ça donne. Parce que c'est sûr, on peut rien faire là. En tout cas, je peux pas le sortir, ça, c'est sûr et certain. C'est ça qui m'a... Parce que regardez, si je l'enlève... Ah ouais, vous voyez? Alors soit moi je reste là. Faut que je descende avec cette merde là. Ouais, ça se trouve je peux rentrer là mais... Non vous voyez c'est... En vrai ça prend ça. Après, peut-être ça le prenait pas, attendez, on va retester là. Peut-être ça le reprenait pas du tout en fait, mais... J'ai un doute. Ah si, normalement ça le prenait. Ah mais je suis con. Ok, ça le prenait, mais justement faut l'enlever le truc. Ah il faut... Ok, 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 ok les gars, je suis con. Justement, ah mais c'est 2 et 2, quoi? Ouais, pour moi faut l'enlever, ok, ok. Pour moi faut réussir à le mettre bien pour que ça prenne. Ouais, voilà. Hein? Et, bah attends, là on peut pas rentrer, genre? Ah oui, bah là faut replacer ça, ok. Et là normalement on peut rentrer là-bas. Ouais ok. Ok donc là on peut rentrer là. Ça on peut le prendre. On va aller le mettre là-bas je pense.
Ouais, ok, c'est bon, j'ai messieurs dames. Ouais, c'est ça, ok, faut en prendre deux. Tac. Assez. Dégage. Là, ça, faut l'envoyer là-bas. Là, je vais envoyer le bot là-bas. Voilà. Et ça, faut le mettre ici. Après donc... ça, faut le reprendre. Oh putain, en vrai stylé pour le coup. L'énigme est vraiment bien. Ouais, l'énigme est vraiment stylée pour le coup. Ok. Tac. Oh merde. Mauvaise touche. Est-ce qu'il y a un truc là? Putain, y'a rien. C'est vraiment flippé hein, quand même. Ok. Allez. Je pense que c'est le daron qui parle, qui contrôle le robot, hein, je vous le dis. Enfin, merde. Tourner autour. Ouais. Isaac, tu es dans le panopticon avec MacArthur. Isaac, réponds-moi. Ah, MacArthur a coupé Habitas. Oh le bâtard, ok. Oh la vache. Ah oui, ok. Donc en fait, elle a fait un coup d'état et lui, il dit vas-y, nique sa mère, ça va partir en couille. Il a coupé Habitas, oh le bâtard. Eh, c'est tous les deux des bâtards en fait. Il n'y a même pas de discussion possible. Oh, arrête, elle a pas fait mieux non plus. Hein. T'as pas quitté Rosa depuis tout ce temps. Pourquoi tu nous as pas dit où t'allais? J'ai juste vu Az et je l'ai suivi. J'ai trouvé un hologramme. MacArthur a fait fermer la bosse pour empêcher Rosa et Homeward d'activer la séquence de lancement. Après, je crois que... qu'il a coupé l'oxygène de toute la colonie. Ouais, voilà, ok. Oh, le bâtard. Tu as vu Isaac dans ses hologrammes, c'est ça? On s'en va. Quoi? Quoi? On va redémarrer la connexion MPT à la bosse depuis le pont. Elle veut quoi, elle? Avant la nuit. Et l'Archivita, Rosa est morte, Cathy. Tout le monde est mort. Et tous ceux qui sont encore vivants sont probablement armés et n'hésiteront pas à nous tuer. Mais on n'a pas encore rempli notre mission. On a déjà perdu quelqu'un. Et l'équipement qui aurait pu nous aider dans notre mission a disparu.
L'Arche Vita est importante, mais on ne sait pas où elle se trouve, ni même si elle est opérationnelle, et je ne risquerai pas la réussite de cette mission pour la trouver. Bah, alors, c'est le but de la mission, ça, le connasse. C'est un ordre. Oh, elle fait... Oh là, je sais pas pourquoi elle a pété un câble juste à cause d'Isaac, hein. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de celui-là ? On va en avoir deux ? Non. Az, tourne-toi. Unité ASE. 6-3-7-5-4-N. Transfert de propriété, piratage du conseil lunaire. 1-7-0-5-4-4. Isaac Johansson. Dis ton nom. Pardon ? Ryan Delianin. Heh.